Je vous remercie. Encore un certain nombre de questions. Madame Georges Paul-Angevin ou Madame Cécile Untermaier, excusez-moi, vous voyez. Merci Madame la Présidente. Bon, moi je voulais, au nom de mon groupe, signaler tout l'intérêt de cette mission et la qualité du rapport. Dire aussi que ce n'est pas anodin de parler de l'immunité parlementaire aujourd'hui, à un moment où la démocratie représentative est quand même bien bousculée dans ses fondamentaux, et qu'il est effectivement extrêmement important de rappeler aujourd'hui que ce n'est pas un privilège personnel et pas non plus une impunité. Et je vous remercie pour cela, parce que c'est fort bien écrit dans le rapport que vous nous soumettez. Donc, vraiment une utilité de cette mission, je trouve, à l'abri donc des idées populistes et donc une vraie vertu pédagogique qui est tout à fait importante. Moi, j'ai le sentiment que les institutions actuellement mériteraient une petite révision, un peu comme une vieille voiture, bousculée par le temps. Et je crois que cette mission répond à cela, sur le problème de la question de l'immunité. Alors, vous avez bien rappelé les fondements solides de cette immunité qui vise donc à protéger des assemblées délibératives et leur permettre donc de s'exprimer dans la liberté, sans la pression et sans la crainte d'une atteinte du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire. Sur les propositions, sur l'irresponsabilité, je pense qu'on n'a pas rencontré beaucoup de problèmes à ce sujet, mais il est bien sûr tout à fait évident, et là aussi, je pense que nos institutions doivent s'adapter. Le député, il n'est pas uniquement au Palais Bourbon. Il a un vrai travail local, et d'ailleurs, je pense qu'il faut maintenant travailler à cette définition du rôle local du député, du rôle sur le terrain, d'autant plus que le non-cumul des mandats nous oblige à avoir une réflexion sur le député, sur le travail de terrain. Donc, je trouve que cette idée d'extension de l'irresponsabilité est tout à fait importante et symptomatique de la nécessaire évolution du rôle du député à la fois national et local. Et nous souscrivons donc totalement à cette proposition. Évidemment, nous travaillons 24 heures sur 24, quasiment, quand on est député, et ce n'est pas l'enceinte de l'Assemblée qui limite notre action. Donc, renforçons cette liberté d'expression. Sur l'inviolabilité, c'est un sujet, à mon sens, plus compliqué. Et c'est vrai que cette liberté de mouvement du parlementaire pour exercer ses fonctions face au risque d'instrumentalisation, finalement, parce que c'est ce que nous redoutons de l'autorité judiciaire à des fins d'entrave politique, doit retenir toute notre attention. Je pense que sur la question de la perquisition, vous avez su tirer les enseignements récents. Et je crois tout à fait essentiel, effectivement, d'introduire les dispositions que vous avez proposées. Si le verrou du bureau est finalement maintenu, je pense que c'est une bonne chose. Encore faut-il l'ouvrir comme vous l'avez fait, à savoir un vote secret, mais par contre, une motivation de la décision. Et une motivation de la décision et une décision qui devient publique. Je crois que c'est également important d'y introduire cette notion de transparence à laquelle on tient désormais. Et enfin, je trouve extrêmement intéressante qu'il y ait une procédure d'appel par l'Assemblée, dès lors que l'on n'est pas satisfait de la décision du bureau. Je crois que c'est tout à fait important de garantir cela. Et la dernière interrogation, je la garde pour la fin parce que c'est la plus complexe, c'est le secret des informations. J'ai bien compris l'objectif que vous poursuivez. Je comprends aussi qu'il est là pour renforcer le rôle du parlementaire, qui doit être aussi un dépositaire d'informations. Ce qui m'interroge quand même, c'est par rapport à l'article 40, parce que nous avons tous eu dans nos mandats cette interrogation par rapport à l'article 40, parce qu'on a été dépositaire d'une information par un mail qui nous pose problème. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est tenu par l'article 40 d'en aviser le procureur, mais dans une information judiciaire, alors même qu'il y a au cœur de la justice une préoccupation, nous ne devrions ne rien dire. Et sur cette contradiction, apparente du moins, je souhaiterais avoir votre point de vue. Je vous remercie.